attraper un objet lancé par-dessus le grillage, se faire lancer par-dessus le grillage. Ça, par contre, j'ai une vague idée de comment faire. Genre, je me dis qu'avec le nœud, il peut nous confondre avec l'espèce de statue immonde qu'elle a, elle. Mais je sais pas. Habiller le buste avec des objets trouvés. Hors des jardins arrière. Ouais, mais alors là, je leur donne quoi? Ok, on essaiera, on verra, je sais pas. Marquer un but? Je sais pas dans quoi. Faire flotter le pied. Ah, mais non, ça c'est. Ah, non, marquer un but, c'est pas tout. Voilà, c'est après. Le bonnet de. Voler le bonnet de main, on s'en fout. Compléter la liste de tâches du jardin. Voilà, et évidemment, le time attack est tout barré sur la liste des tâches. C'est notre but. Donc, salut à tous! De retour sur Untitled Goose Game. Il a toujours pas de nom après autant de temps que j'ai abandonné le jeu. Et comme on court. Et on en est donc au New Game Plus, évidemment. Et on va faire chier ce pauvre. Ce brave homme qui est là, qui a déjà beaucoup souffert. Alors que c'est un mec qui essaie juste de siroter son thé, tu vois. Il demande rien à personne. Mais nous, on veut faire autrement. Alors, attends. Je sais plus comment on joue. Comment vous, Anna? Comment on joue? Je sais plus. Ah. Ah, ça y est, attends. Il y a un truc qui se passe là. C'est pas la peine de gueuler sur. Voilà, c'est bon! Alors attends, mais comment on prend des choses? J'ai oublié! J'ai oublié! Si, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est juste que la barrière, ça fonctionne différemment. Salut? Ouais, c'est moi. Tu me reconnais? Alors. C'est parti. Donc, je vais opérer de la même façon que d'habitude, c'est-à-dire les tâches en plus qui se sont ajoutées. Et après, je referai le truc en time attack. Alors déjà ça là. Voilà. Non. Non. Alors, on va lui attendre qu'il fasse son. Voilà, sa petite crise de paranoïa. Ah non, mais il a posé son journal! Mais quel gros lourd! Ah là, elle est en train de se rendre compte que ça y est, il n'y a plus sa sculpture immonde là. De toute façon, elle a que ça, des sculptures immondes. Alors, voilà, lis ton truc. Voilà, et là, je ne bouge pas. Hop. Ah là là, je suis une statue. Ouais, mais tu bouges la tête. Ouais, non, mais ça peut pas marcher. Ne marche pas. Falloir trouver autre chose. Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait faire office de boîte. Je me mets dedans et après il me rebalance par-dessus. Est-ce que peut-être si je vais chercher un carton dans le pub là à côté où j'ai soufflé sur une mouche qui passait devant moi. Est-ce que si je rentre dedans. Non, ça je peux pas rentrer dedans. Est-ce qu'il va me rebalancer derrière? Je sais pas. Est-ce qu'il va penser que ça appartient à la voisine? Parce qu'il va se dire, bah c'est pas mes affaires. On va tester. C'est pas très loin, justement. C'est juste là. Est-ce que je vais pouvoir passer dans la baraque avec le carton? Voilà, ce carton-là. Ce carton. Ouais, bah ouais. En plus, faut l'amener jusqu'au voisin, quoi. Ça va pas être évident, ça. Et je sais pas comment le voisin il va réagir en voyant ça. Et en plus, si j'ai pas. Après, quand je reviens m'occuper du pub, ça risque d'être un peu problématique quand même. Alors, est-ce que je peux passer avec ça? Est-ce que je peux passer avec le carton? Si tu fais. Voilà. Ah, mais la porte est fermée, genre! Tiens, il y a du courrier là, attends. Voilà. Quelle pute, c'est toi. Alors. Moi, des fois, je me plains de mon facteur parce que je me dis, j'ai du courrier qui manque et tout. Mais si ça se trouve, c'est juste les oies du coin qui viennent troller. Ouais, mais attends, alors pour revenir là-bas, je fais comment? Je vais devoir passer par l'eau avec mon carton? Parce que vous avez vu, la porte est fermée. Alors ça va, le carton, il supporte plutôt bien l'eau. Tous les raccourcis sont ouverts là, donc logiquement, ça devrait aller. Je crois que c'est quoi? C'est jardinier là? Je sais plus du tout. Ouais, c'est ça, c'est jardinier. Il va pas se montrer par jardinier parce que je sais pas comment il va réagir en me voyant avec mon carton.
Ça, c'est vachement chiant si c'est ça. C'est vachement chiant. Ça veut dire que je vais devoir me retaper tout le chemin. Attends, je sais plus comment on y va. C'est quoi là en face? Et voilà, c'est bon! Mais voilà, parfait! Ok. Alors, mais comment je rentre? Puis attends, va falloir. Oh là là, va falloir que je me mette dedans. Comment on fait déjà pour se mettre dedans? Mais non. Mais. Je pense que c'est parce qu'il est pas à l'endroit. Voilà. C'est bon. Il va falloir que je me mette dedans. Il va falloir qu'il tourne son journal, que je me mette viteuf dedans. Sans qu'il me remarque. Je passe là-dedans au moins. Je passe même pas là. Parce que si je passe pas là, c'est... Ah si, c'est bon. Ah, c'est limite. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est bon. Alors. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis même pas sûr que ce soit ça. Ça se trouve, c'est pas ça. Mais je vois qu'un seul objet dans lequel je peux rentrer, tu vois. Alors. Mais... J'arrive même pas à le retourner! Julie, là derrière, il s'inquiète, tu vois, tu m'étonnes. Mais allez, qu'est-ce que tu fais? Con doigt, là. Attends! C'est bon, parfait. Oh oui! Ah mais oui! C'était donc ça, c'est le seul objet. GG, merci. C'est le seul objet dans lequel je peux m'enfiler pour passer inaperçu. Je ne voyais que ça. Bien! Mais c'est très bien! Il se fait pas chier le mec. Ah oui, non mais tout ce qui est pas à lui, il le balance chez sa voisine. Si ça se trouve, elle, elle va voir le carton, me dire bah, c'est pas à moi, elle va le rebalancer. Je sais pas. Non, elle, c'est... Non, elle a une autre méthode. Elle, c'est une espèce de comment dire? Tu sais, ces gens qui gardent tout, là. Tu sais, de manière compulsive. Tout ce qu'ils trouvent. Bah, la preuve, hein, je veux dire, la fille, elle s'est pas résolue à jeter ses chiottes. Elle s'est dit, ah, oh, ça va, je vais planter des roses dedans, ça sera joli. Et donc, le carton, elle trouvera bien une utilité, tu vois. Alors, ce que je vais faire... Je vais pas aller là-bas. Parce qu'en fait, ce qui m'arrangerait... Ce qui m'arrangerait, c'est qu'il me laisse le temps de revenir vers derrière, là. Pour me rebalancer le ruban. Ouais, mais là, pour l'instant, il est relou. Il est en train de siroter son thé. Avec sa petite moustache. Il en a ça. L'élégance. Voilà, parfait. Ouais, ce que je vais faire, c'est que... Hop, je vais l'appeler. Bon, il est venu ou pas? Allez, bouge-toi le derche! Là! Viens! Mais viens! Mais viens! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non, mais regarde! Je sais pas, il va avoir les mains grasses ou je sais pas. Là! T'es con, hein! Tiens. Voilà, c'est bon, il l'a ramassé. Moi, ce qu'il faut, c'est que je le réceptionne de l'autre côté. Ça, déjà, c'est pas forcément simple. Attention, ça va tomber à peu près par là, je dirais. Papa! À droite. Et... Hein? Bien! Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, alors ça va être relou. Habiller le buste avec des objets trouvés hors des jardins arrière. Ah, attends, je peux lui donner des lunettes? Genre là. Mais là, elle a des lunettes. Je sais pas, ça se trouve, il y a plein de choses qui marchent. Hein. Ah, le DualShock 4 est faible. Oui, c'est mes parties de. Non! C'est la mienne! Ok.
Qu'est-ce qui te dit que c'est pas mes lunettes à moi? Hein? Hop. Elle commence à se rapprocher un peu quand même. Ah! Non! Non! Le buisson! Non mais tu préfères me courir après là, t'imagines toutes les marchandises que t'as laissées sans surveillance? Le gamin va récupérer son jouet que tu lui as volé. Tiens! T'as vu comment je te regarde avec tes lunettes? Hein? Il va faire quoi là? Ben non, tu les récupères pas. Bon, tiens toi. Balance-moi ça chez la voisine. On va voir si elle habille le buste avec. En attendant, je sais pas, attends. Est-ce que ça suffit les... Elle est toujours là. Je veux récupérer mes lunettes! C'est bon, il fait trop rire d'après ça. Genre, il y a un truc qui traîne chez lui. Il sait pas ce que c'est forcément la voisine. Viens, récupère. Ah oui, non, c'est vrai, il faut faire autre chose. Il faut le mettre là-dedans. Voilà. Ouh, ça marche! Mais est-ce qu'il va falloir que je fasse avec plusieurs choses? Genre le chapeau de jardinier ou ça va suffire? Il va avoir la classe de ouf, le buste avec ça. Apparemment, ça suffit pas. Oui. Ah mais non, mais t'inquiète pas, je vais juste te voir à l'œuvre. Je trouve ça impressionnant comment tu jardines. Hop. Et voilà. Allez. Bye bye. Parfait! Ah, donc on va voir si elle veut bien mettre ce magnifique béret sur le pif de son buste. Je pense que là ça va marcher. Ah, du coup il a porté son chapeau de soleil, bah oui il a pas eu le choix. Hein. Je pense que là ça va marcher. Faudra peut-être trouver un autre objet parce que à la base le buste on doit lui faire porter trois objets. Et je vois pas trop. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu faire un défi, enfin deux défis en un. Parce qu'il y a un défi qui consiste à voler le chapeau du vieillard qui se trouve dans la zone suivante. Et j'aurais pu, pour habiller le buste, directement lui donner. Bah, tant pis, j'ai pas pensé avant. Tiens. Mais en fait, c'est exactement. Mais c'est presque le même béret qu'il a, lui. Enfin, non, lui, c'est une casquette en fait qu'il a. Ouais, c'est une casquette. Bon, voilà, évidemment. Putain, mec. Et puis, et elle passe devant, c'est mais elle est tellement blasée. Elle passe devant les affaires que son con de voisin lui lance et ça, elle réagit plus. Ça, elle est là. Genre... C'est au début, quand elle est arrivée, elle était pas comme ça, empileuse, compulsif. C'est après, toutes les merdes qu'il lui balançait son voisin, elle s'est dit, bon, peut-être trouver quelque chose à faire avec. Bon, voilà. Et bah, ça, c'est pas mal. Mais apparemment, il me manque encore un objet. Alors, faudrait que je trouve un truc pour mettre sur le buste. L'harmonica? Non. L'harmonica, vous croyez qu'elle peut le foutre dans... Peut-être. Bah, je vois pas quoi d'autre, de toute façon. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est chaud de faire tenir un harmonica sur un buste. Oui, mais faire tenir une pipe, c'est chaud sur un buste aussi, quoi. Ouais, je sais pas. J'ai bien envie de tester avec l'harmonica, voir ce que ça donne. Ça, c'était vraiment pour le faire chier. Non, mais non! Mais non, il me l'a enlevé! Mais... Hop. Qu'est-ce que tu peux être con, mec? Parfait. Il est en train de me chercher là-bas, vous avez vu, il est là. Il est dans le coin. Ok. Il est même dans le coin-coin. C'est pas drôle parce que c'est une oie, du coup, elles font pas coin-coin, mais c'est pas grave. Alors maintenant, il va falloir retrouver le chemin. Ah oui, c'est là. Je commence un petit peu à m'y repérer là-dedans. Hein. Je suis pas sûr que ça marche, franchement. C'est une harmonica.
Tiens, je t'ai ramené un nouveau truc à rebalancer chez ta voisine. Vas-y, mec. Si t'en plaise. Et du coup, elle a complètement ignoré le carton que j'ai balancé. Voilà, elle a foutu dans un coin. Alors, je suis pas sûr que ça marche, hein, franchement. L'harmonica. Ah! Elle l'a vu déjà. Oh, bah, peut-être que ça marche alors. On peut pas dire que c'est pas un vêtement, quoi. Si, si, elle va le mettre, ouais. Bon, ben voilà. Normalement, voilà. Chic. Bah, c'est très bien. Ce qui fait que. Bah, il ne me reste plus que le time attack. Maintenant, si je ne me trompe pas. Marquer un but, c'est pas ici. Je sais pas où c'est d'ailleurs. Faire flotter le petit bateau sous un pont, ça c'est autre chose. Faire un spectacle au pub en portant un ruban. Ah. Voler le bonnet de laine du vieil homme. Le ruban, va falloir s'en souvenir avant de quitter cet endroit. D'accord. Eh ben, on est parti pour le time attack. Non, 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 tu ne m'as pas vu, tu t'en fous, je n'existe pas. Parfait. Alors là, oui, bah, il va commencer à se rendre compte qu'il lui manque une pantoufle, mais c'est qu'un détail. Bon, elle est où? Il manque une casquette aussi. Allez, hop, voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais là? Vite. J'emmène tout le bordel que je peux ici avant que. Connasse viennent refermer. Ouais bah tu en rachèteras, hein, tu feras un petit tour chez Carrefour. Ils ont des soutifs de la marque Tex, je suis sûr, c'est pas très cher. Alors hop, non 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 non, tu fais ça après. Tiens, pour t'occuper, regarde. Pour t'occuper, tu vas. S'occuper de ça aussi. Voilà. Ah putain, je fais nimp. Oui! Oui! Parfait! Ah, il a fait ça au bon moment. Parfait. Oh là là, il aurait pu me voir passer là. Il aurait vraiment pu me voir passer, j'étais pas loin. La chaussette, c'est fait. Mais il me manque une chaussette encore. Oui, il me manque une chaussette. Voilà, tiens. Hop. Comme ça. Parfait. Parfait. Alors là, il faut juste que je mette dans mon petit bain de culture là des. Les pantoufles. Voilà. Nanana. Ah là, tu récupères pas, c'est à moi. Ok. Heureusement qu'elle oublie vite, hein, et elle se rend pas compte après que. Qu'elle met son ruban à une autre roi. Ça la dérange pas. Oh, il va siroter son thé. C'est très bien. Parce que du coup, ça va me permettre de lui piquer sa deuxième pantoufle. Mais non, mais putain d'oie! Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? D'où tu gueules dessus? Oh, mais non, mais quel relou. Non, mais laisse tomber ta pipe. Ok. 6 minutes en fait, ça passe si vite sur un défi comme ça. Bon, et il va resiroter son thé. Ouais, mais cette fois-ci, faut pas que j'attrape son journal là. Ce qu'il y a, c'est que là, il me voit. Voilà. Hein, occupe-toi d'autre chose, s'il te plaît. Ça y est, normalement, je l'ai déchaussé.
Et j'ai juste à foutre ça là-dedans. Oui, laver le linge, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Aider la femme à habiller le buste. Et se mettre un ruban. Attends, il manque... ça, les lunettes. Voilà. Donc pour habiller le buste. C'est très bien. Elle est en train de regarder son soutif de l'autre côté. Allez, frise de Titi. Et le ruban. Donc voilà, très bien. C'est pas grave, c'est grave, c'est rien, c'est rien. Allez, vas-y, va vite, parce que je perds du temps là. Hop, allez. Il me reste que ça. Alors là, normalement, il y a le défi. Ah, habiller le buste. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle est en train de mater ses putains de chaussettes. Mais laisse tomber! Mais laisse tomber! Mais oui, elle est plus là. Ça y est, elle va s'occuper de moi. Oui! Attends, c'est le dernier défi, on est d'accord. Et là, ça se met à sonner maintenant, tu vois. C'est bon? Attends, mais j'ai pas fini. Il m'en reste encore un. Qu'est-ce qu'il me reste? Le putain de rosier! Le rosier de merde! J'avais oublié! Le rosier de merde! Non, 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 non! Vas-y, va t'occuper du savon là. Oh non, je suis tellement dégoûté. Allez! Regarde ton rosier dans l'état. Enfin, ton écureuil. Regarde dans l'état où il est. Vite! Il faut vite que tu fasses quelque chose. Oh, mais non, il faut absolument qu'elle ferme cette porte avant de faire autre chose. Ah! Ah, ça y est, elle le fait. Oui. C'est bon? Oui! Le sprint des jardins. Et vous savez quoi, le ruban là? Eh ben, je vais le garder sur moi. Parce que justement, il faut que je fasse. C'est pour le prochain défi, donc dans le pub. Hé! 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 Eh mais pourquoi je l'ai perdu? Eh? Mais non! Dans le pub, il faut que je l'aie sur moi. Mais pourquoi? Alors, il faut peut-être que je passe par un autre chemin. Bah, remets-le moi. Ah ouais, mais du coup, il va lui rendre tout son bordel. Je vais mettre 2 ans avant qu'elle s'occupe de moi, pauvre voix. Vas-y, fous le camp. J'aime beaucoup le regard. Interroger des gens. Tiens, une oie. C'est bon, je suis infiltré. Et j'ai mon ruban. Et j'ai mon ruban. Oui, ah, tiens, un carton. Je me demande quel est mon boulot déjà. Ah oui, je dois livrer ça. Et j'ai mon ruban. Le gars là ne me fera pas chier, ne veut pas me retirer mon ruban. Et je vais pouvoir faire mon petit spectacle avec mon ruban. Et ça, c'est bon. Voilà. Elle s'en fout, hein, ça veut dire qu'il me chasse pas. Il n'y a que le mec qui me chasse. Donc voilà, je peux faire mon petit spectacle avec le ruban. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'elle me demande? Ouais, cacarder. Oh. Ah, baisser la tête. Et voilà, faire ça. Normalement, c'est bon. Voilà, en portant un ruban. Et j'ai obtenu la fleur en récompense. Élégant, tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, il y a un autre défi qui consiste à lui retirer à lui son bonnet. Je vois pas comment faire. Il se baisse jamais. Ah si, il se baisse quand il doit se baisser quand il doit faire ça, là. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, d'accord. Ah, il le met de... Ah, d'accord.
Ah, très 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 fort, très très fort. Ah, il est fier de lui. Bah alors faudrait qu'il se pète la gueule encore de sa chaise. Vas-y, assis-toi. Il m'a vu, je crois. Je sais pas comment j'ai fait la première fois pour faire en sorte que qu'il s'assoie qu'il s'assoie et qu'il ne me gaule pas. Mais là, regarde, il me voit. Mais je sais pas du tout comment c'est possible. Je sais pas comment c'est possible. C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Espiègle. Parfait. Et je l'emmenais bien loin. Ah, cette calvitie. Bon, alors. Marquer un but. Alors, faire flotter le petit bateau, ça, c'est pas difficile. Marquer un but, mais marquer un but où? J'aime bien ce petit mouvement genre. Ah! Ah! Je l'ai raté! Va attendre que le bateau monte suffisamment pour le piquer. C'est dommage que t'aies pas de lacets, toi, tiens. Voilà, ça c'est fait. J'ai le petit bateau. C'est pas difficile. Maintenant, il va falloir le faire flotter. Il s'éclate, lui. Alors, ouais, mais est-ce que lui, là, il va pas me gêner? Alors, attends, pour faire sortir le videur, c'est pas très compliqué. Voilà, il me court après, de toute façon, dès qu'il me voit. Ah, il m'aime pas lui, hein. Ah bah il m'aime pas lui. Attends, je peux pas passer par là-bas normalement? Oui. Voilà. Ok. Je pense qu'à partir du moment où je suis à l'extérieur, lui il s'en fout. Que j'ai un bateau ou pas dans le bec, il s'en tape. Ce qui compte, c'est que... C'est que je sois à l'extérieur. Alors, ouais, mais... Attends, ouais, mais il faut que je fasse... Flotter le petit bateau que je fasse passer sous un pont, je sais pas quoi. Et mais où? Tiens, oh là, voilà. Est-ce que je peux remonter plus, beaucoup plus haut que ça ou pas? Ah, mais oui, là-dessous. Bah oui, voilà. Genre, je le mets là. C'est bon. Il a l'air de dévier, le courant a l'air de faire son boulot. Pas très puissant. Eh hey, en plus, il fait dans le bon sens, regardez. Bah, il va rester... Il va rester coincé, ce con. Ouais, voilà. Il flotte avec les autres. C'est le bateau de Jordi. Alors, allez, dépêche. Ce qui passe... Oui, c'est bon, on l'a pas vu, mais il était dessous. Adorable. Moi, oh, c'est trop mignon. C'est adorable. Ah oui, voilà, il y a des escaliers qui sont là. Une tétine. Donc maintenant il va falloir marquer un but. J'aurais fini avec les défis. Tout ce qui me manquera c'est en fait bah, le défi des fleurs là. Et puis le time attack. Oui voilà il est là le ballon. Ouais c'est ça. C'est que, ouais, je peux pas, je suis obligé de le faire au bec. Oh, mais ça va être casse-couille. Mais ça va être terriblement casse-couille. Alors, attends. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais... La distance à faire est pas énorme non plus. Je pense que les voisins me feront pas trop chier. Ça, ils vont me voir avec mon ballon. Pff, voilà, ils vont m'ignorer, j'espère en tout cas.
Mais voilà, c'est fermé. Ouais, les cages, elles sont juste à côté, c'est ça? Mais alors, comment je fais? Alors, je me pense que le voisin de qui va voir le ballon, il va le renvoyer chez la voisine, qui elle va totalement l'ignorer. Je pense, hein. Du coup, le voisin, il a gardé Loa. Loa, elle est restée. Voilà, c'est bien. Sans souvenir de moi. Ah, tu m'as trollé comme jamais. Tu me manques tellement. Mais attends, j'ai pas fini, je reviens, regarde. Puis là, c'est un peu en pente. C'est un peu en pente, c'est pas évident. Ah là. Alors, il va falloir que je passe là-dedans. Eh, quand on est noir, c'est pas facile de jouer au foot, hein. Alors, est-ce que voisin, tu veux bien m'aider à ramener ça chez les voisines? Tu veux? Oui, merci. Non, mais fous la paix à mon nœud. Fous la paix à mon nœud. Juste, tu ramasses le ballon, s'il te plaît. Tu vas le ramener là quand même. Oui, il va le ramener là, évidemment. Voilà, c'est comme ça qu'il fait le voisin. Ah, ok, très bien. Et si je me trompe pas, les cages, elles sont là, derrière cette barrière, non? Je galère, ça en pente. Non! Mais non, mais... Ah, la physique de ce jeu qui est buggée. Allez. Allez, très bien. Allez, là, j'ai trouvé un bon move, là. Mais est-ce que la balle, elle va passer les buissons? C'est bien là qu'il y a des cages. Attends, mais c'est là ou pas? Non, mon ruban. Attends, mais est-ce que moi c'est possible de faire ce que je fais? Les cages, elles sont là, non? Oh putain. C'est quand même le seul jeu où tu peux voir une oie jouer au foot. Ça, je suis sûr que dans n'importe quel autre jeu. Il n'y a pas, ça y est. Ah ouais, non, mais le ballon il reste coincé. Attends, c'est là? Oui, voilà, les cages elles sont là. Ça y est, allez, allez, je suis presque là. L'achat. Là, non, non. Non, mais putain. Un défi tout pourri, pourtant ça me prend des heures. Et c'était le dernier défi, à part les plantes, c'est ça? Voilà, ça c'est fait. Voilà, dévautré comme une daube. Qu'est-ce qu'il fait maintenant lui? Alors attends, en attendant qu'il fasse je sais pas quoi, on va. Tac, hop. Voilà, très bien. Vas-y, lance-moi ta fleur. Voilà, ça c'est fait. Mais quelle connasse doigt! C'est une connasse, cette doigt! Allez, hop. Très bien. Ça. Voilà. Là, il y avait un couteau. Couteau, je veux le couteau. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. On va
faire ça aussi. Ouais, c'est bien. Allez, cours-moi après. À moins que tu préfères fermer l'eau. Je ne sais pas. Alors, l'assiette, on s'en fout. Là, le bougeoir. Non, non, non! C'est pas grave, je vais aller... Je vais aller récupérer le bateau. Hop! Ah, vas-y, je te le donne ton bateau, récupère-le. Vieille moche! Alors, le bougeoir, il est où? Il est là. Elle l'a laissé où il était. Allez! Dégage! T'es trop moche. Voilà, elle va fermer l'eau. Elle se dépêche, hein. Attends, les factures d'eau. Hein? Voilà, ça c'est fait. On va juste se dépêcher de foutre tout ça là. Là, par contre, je suis plutôt pas mal. Au niveau du temps, c'est mieux que tout à l'heure. Il reste le défi un peu improbable, un peu aléatoire du petit vieux pour qu'il s'assoie. Mais j'ai espoir, j'ai confiance. Voilà. Ça va, tu galères pas trop? Si, parce que là, je fais les défis timés, tu vois. Et c'est un peu galère, effectivement. C'est un peu galère. Mais c'est le dernier. C'est le dernier. Donc c'est pas mal. Allez, comme ça. Comme ça. Allez, il reste le dernier couvert. Le petit vieux, après, on va aller le voir. Là, normalement, tout y est. Ouais, tout y est. Bon, la table est mal mise, hein. Je sais, bah, je pense qu'on n'a pas besoin de bosser en restauration pour se rendre compte que... Voilà, et hop, on fout le bordel. Comme ça, lui, il va s'inquiéter de ses tomates. Après, le petit gars, là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il repose son truc. Il veut pas s'asseoir, du coup. Ah non, il va jouer aux fléchettes. Vieux con. Alors, hop. En fait, ouais, je peux lui faire tomber le truc sur la gueule au mec quand je veux. Je suis pas obligé d'attendre la fin. Comme ça. Ok, ça c'est fait. Il me reste quoi? Alors, faire tomber le vieil homme sur les fesses. Et pour l'instant, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Il reste à le faire tomber sur son derche. Mais viens, mais je suis là! Je suis là! Viens, poursuis-moi! Je sais que tu ne m'aimes pas! Tu es mon némésis! Allez! Oui! Voilà, très bien! Je suis là! Allez, viens t'occuper des tomates! Non, mais quel but, bâtard! Ah, cette perte de temps! Mais quel vieux connard! Ah tiens! Alors, faut vraiment que j'attende. Ah, ça y est. Il est en train de se dire, oh là là, toute cette tomate, tout ça. Hop. C'est bon. C'est bon, il va se baisser. Parfait. Il me reste que le défi du petit vieux. Non, mais il faut pas que... Voilà, allez, le défi du petit vieux. Faire tomber le saut, oui, ça c'est bon. Le petit vieux, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il va prendre son harmonica. C'est bon ça? Oui, non, mais je suis pas là, vas-y. C'est très bon ça. Il va s'asseoir. Oh! Attends, c'est bon, j'ai fait. Tout est fait là. Il manque quelque chose? Oh! Le sprint du pub! Ça veut dire que j'ai fait tous les sprints du jeu. Et en fait, le dernier défi qu'il me reste à faire, léger. Merci. C'est le truc des plantes. Oh là là. Ah, c'est trop bien. Voilà, il faut que je ramène dans le panier près du puits une tulipe, un lys, une rose, une marguerite,
Un chrysanthème. Alors j'ai aucune idée, moi qui suis pas un grand fleuriste, j'ai aucune idée de ce que c'est putain ces fleurs, mais on va se débrouiller. Je pense que dès que je vais voir une fleur, genre celle-ci, ben, je la ramènerai. Genre, attends, il faut que... On va voir ça. Alors, quick, quick. Voilà, il faut que je me baisse. Ouh. Et attends, ça veut dire que j'ai peut-être le platine du jeu. Alors en fait, là, peut-être que dès que j'aurai réussi ce défi, je l'aurai. Alors je sais pas ce que c'est. C'est une marguerite, je dirais. Ça ressemble à une marguerite. Voilà, je suis pas... Je connais rien en plantes, mais je pense que là, on s'approche un petit peu d'une marguerite. Alors, bon, on va ramener ça au puits. Est-ce que c'est possible de regagner le puits en passant par l'eau? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je ne sais pas exactement où il est ce puits, mais il n'est pas loin normalement. Bah, je crois que c'est là. C'est en prenant le chemin à droite là. C'est ça. Et juste là. Le panier, effectivement, il n'est pas loin. Le jardinier. Est-ce qu'il a une plante, le jardinier? Tiens, la cloche. On s'en fout de la cloche. Voilà, ce panier. Voilà, je pense que c'est. Ouais, c'est ce panier. Voilà, ça c'est fait. Le jardinier, il a une plante, je crois. Oui, il a un truc au milieu de son jardin. On va lui piquer ça. Je crois que sur la place du marché, il y a aussi une plante. Il y a la fameuse rose qu'on coupe. Ah, ça, c'est une tulipe. Alors, je vais attendre qu'il se casse. Il y a la fameuse rose qu'on coupe aux deux voisins, là. Ouais, des fois elle reste coincée la putain de doigt. J'avoue que le gameplay il est pas forcément. Forcément ouf. Allez. Je pense que là c'est bon. Je vais réussir à le semer. Ouais. C'est pour ça que des fois elle s'arrête un petit peu alors que je suis en pleine course. C'est pas forcément génial. Bon, j'ai deux plantes, il m'en faut six, c'est ça? Hop. Ah, les voisins. Les voisins. Ouais, je pense que là, ça va être la plante du mec, hein. On va devoir lui recouper et lui embarquer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire tout de suite. Pas très grave. Donc voilà, je pense que c'est cette rose qui est là. Ah oui, on va foutre le bordel là. Oh là là, regarde comme il est tout décoiffé ton buisson. Viens. Regarde, il est dégueulasse. Ah ouais, faut faire quelque chose là, je suis d'accord. Bah alors? Elle veut pas? Ah si, ça y est. Mais d'abord, elle referme. Elle referme, c'est parce que... parce qu'il faudrait pas que le voisin voit ses petits secrets. Là, attention. Avant que le voisin voie mes soutifs, on va vite refermer. Allez, là. Quick. Quick. Allez, le petit dernier. Voilà. Merci, coquine. Ah, je suis désolé pour ta plante. Oh, regarde, je te l'emmène très loin pour que cette vision d'horreur ne te hante plus jamais. Bien! Allez, ça m'en fait 3. Je vous avoue qu'en fait, alors, il y en a une sur la place du marché, c'est sûr. Mais les autres, ben, je sais pas trop où elles sont. Donc il va peut-être falloir un peu fouiller. Ce qui est bien, c'est que l'endroit là où il y a le puits, là, ici, eh ben, il n'y a personne qui y vient. Ce qui fait que normalement, les plantes que je dépose, ben, elles devraient rester là. Alors, le marché. Or, ce que j'appelle la place du marché, oui, c'est la place où il y a le gamin, voilà. Est-ce que elle, elle a une plante? Elle a des plantes, mais je crois pas que je puisse les cueillir. Et la place, c'est juste là, normalement. C'est un tout petit monde ouvert, en fait, finalement, et tout est un peu relié. Alors, je crois qu'elle, la plante, elle est juste... Elle la vend, en fait. Elle est sur son étal, et il me semble bien avoir vu ça. Vous voyez, voilà, on la voit. Elle a plusieurs plantes d'ailleurs, non? Hello.
à cette plante que je faisais allusion. Est-ce qu'il y en a une autre qui traînerait? Là, remontant, enfin redescendant, c'est chez le jardinier. J'en viens. Pas la peine de revenir. Est-ce qu'elle a une plante dans sa... Enfin, là où elle vit, Loa. C'est-à-dire là où on commence le jeu. Peut-être. Est-ce qu'il y a une plante vers la fin, c'est-à-dire là où il y a la mini-ville? Peut-être aussi, je sais pas vraiment. Alors déjà, je vais placer celle-ci. Ce qui doit m'en faire 4. Et ce qui va du coup correspondre vraiment au tout dernier défi du jeu. Alors, hop. Alors. Ah ben, il m'en reste une. 5 fleurs, c'est pas 6. C'est un chrysanthème qui me manque. Et le chrysanthème... Eh ben putain, je sais pas où il est. Je sais pas où il est, le chrysanthème. Soit au tout début du jeu. Soit à la toute fin. Je pense pas qu'il y ait deux plantes dans la même zone. Et là, vu que je les ai toutes faites, bah, j'y crois pas. Donc je vais plutôt aller voir au tout début, je suis pas loin. Tiens, il y a la chope! On a retrouvé la chope, elle est là. Parce que j'ai pas souvenir d'une plante vers la fin du jeu. Après, j'ai peut-être pas été très attentif. Ah bon, là, on est à la fin du jeu, tiens. Bon, bah, on va dire que puisque le destin m'a mené ici, eh ben, on va chercher par là. Est-ce qu'il y aurait une plante? Plus là. Ah, attendez, et ça, là, c'est quoi? C'est pas une plante, ça? Mais voilà! C'est un chrysanthème qui me manque. J'ai aucune idée de... J'ai aucune idée de ce à quoi c'est censé ressembler un chrysanthème. On va dire que c'est ça. Hein? Vous pouvez me poser plein de questions sur les animaux, sur des choses comme ça. Ça va, ça passe, je sais. Sur les plantes, franchement... Déjà, je suis content de savoir ce que c'est qu'une marguerite. Le reste... voilà quoi. J'aurais dit que c'est pas orange un chrysanthème, mais... C'est peut-être ça en fait, peut-être que je me trompe totalement, j'en sais rien. Alors, on va voir ça tout de suite. Voilà. Voilà. Alors attention. Une récompense vous attend à la maison. Parce que là, j'ai fait toutes les tâches. Donc, magnifique. Et hey! Est-ce que j'ai le platine tout de suite? Et voilà, un prix secret. Voilà, j'ai le platine du jeu. Très simple à obtenir, très simple, il suffit de tout faire à 100%. GG, merci. Alors, on va voir ce que c'est. Par contre, je sais pas ce que c'est que le petit cadeau qui m'attend à la maison. Salut, papy, ça va? Pas trop mal à ton petit coccyx? Du coup, c'est rare que je fasse ça, moi. Comme ça, en live, je... Attends, la maison, elle est où? Je platine un jeu. La maison, elle est où? Mais non, c'est pas du tout là. J'ai repris le même chemin, là. C'est juste à côté, en fait. Voilà. Derrière les petits roseaux. GG, merci, merci. Vous avez assisté à cet événement historique, incroyable. Donc, mon cadeau, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être une grosse cloche? Parce que oui, elle aime bien les cloches, mon petit toit. Alors, je sais quoi? Un cadeau spécial, ouais, mais je sais pas où. Chez elle, c'est là. Ah, elle est là, le petit cadeau. Alors, attention. Une couronne. C'est une couronne. J'arrive pas à l'enlever de son carton. Ah, c'est bon, je l'ai. Je peux pas la mettre sur la tête? D'accord, mais je pensais que je pouvais la mettre sur la tête. D'accord, donc j'ai une couronne qui ne me sert à rien. Bah, on fera, on lui donnera une utilité, hein, à cette couronne. Bien, et ça veut dire que j'en ai totalement, mais alors là pour le coup totalement terminé avec Untitled de Goose Game. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré le petit défi à la fin, chronométré et les nouvelles tâches sont marrants aussi. C'est vrai que le jeu est très court, donc ça fait du bien d'avoir de nouvelles choses à faire. Et enfin, malgré cela, ça reste très court quand même. Mais bon, pour ceux qui aiment les platines comme moi, bah, ça fait un platine accessible comme ça, hop. Donc voilà. Allez,
Bon, voilà, je vous fais des bisous. Puis bah, j'espère que ça vous a plu, The Little Goose Game. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très bien. Et je reviendrai à des jeux comme ça, c'est délirant. Voilà, des bisous, à bientôt. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser un like, ça me fait plaisir. Et à commenter, parce que j'aime bien lire vos réactions. Et si tu veux m'aider, tu peux regarder des pubs pour moi sur mon Utip. Le lien est en description. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.